Dans le dernier épisode de Business to Life, nous avons été à la rencontre de la startup Jambo avec Frédéric Notterman. Nous avons aussi découvert Basic Digital Music Conference avec Narcisse Baya. Voici ce qui arrive quand une bande d'amis quitte l'Occident pour vivre le rêve africain. Business True Life saison 3. On a ouvert le département Light Digital TV avec Olivier et on essaye de gagner de plus en plus de contrats, bien évidemment. Et là, on vient de gagner un petit marché avec l'agence Secomf, c'est une agence de communication. Ils organisent une foire aux soldes au Cuiloubar. Donc nous allons aller filmer au Cuiloubar. Let's go. L'objectif avec la vidéo de la foire aux soldes était de mettre le contenu rapidement sur les réseaux sociaux. Et un de nos points forts, c'est non seulement on filme, mais on diffuse aussi notre contenu sur les réseaux. Alors la foire aux soldes, personnellement, je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est la première édition. Je pense qu'il faut le temps que les gens commencent à rentrer dans le concept même de soldes à Kinshasa. Donc je pense qu'il faut que ça continue, que ça puisse s'installer petit à petit dans la ville, parce que de toute façon, pour nous les consommateurs, c'est un avantage puisque les produits sont à des prix réduits. Donc bon courage aux organisateurs et on sera d'office là pour la seconde édition. J'ai été contacté par mon ami Jean-Pierre Lézy pour travailler avec lui dans son émission télévisée le jeudi. Ça s'appelle On est ensemble et je serai donc là tous les jeudis pour vous parler de l'actualité du web et des technologies. C'est assez génial. On a déjà travaillé avec B1 TV pour justement Business to Life. Et donc là, on est content et je suis vraiment super content de pouvoir apporter du contenu ludique pour les jeunes et surtout pour les personnes qui sont intéressées par le secteur des techs en RDC. Alors, cher Luigi, cher Jean-Pierre, ta première chronique. Première chronique. Déjà, franchement, j'aimerais remercier, j'ai dit auditeur tantôt, mais c'est plutôt téléspectateur, j'ai tellement l'habitude de la radio. Donc voilà, merci aux téléspectateurs de nous regarder et vous allez me retrouver tous les jeudis matin avec Jean-Pierre pour un peu parler de l'actualité du net dans le monde et en RDC en particulier. Comme quoi avoir des bonnes connexions, c'est toujours bien. Une amie a pu nous présenter la personne qui organise les randonnées sur le fleuve Congo Adventure, Fabrice Lambion. On a pu le rencontrer et il nous a proposé de faire un petit partenariat avec lui pour pouvoir filmer ces événements. Et c'est ce que nous allons faire. On est en train d'aller sur un banc de sable avec lui pour filmer son événement. Franchement, ça sera super bien et pour la prochaine édition, j'espère que vous tous vous serez là. We'll be right back.
visiter la ville de Rome. Donc ça va être magnifique. Cette ville apparemment est un musée vivant. Donc je suis... Enfin j'ai hâte d'y aller. Prochainement dans Business True Life. Mais comment tu veux que je sois pas dégoûté? Franchement, on a perdu un contrat, à la limite là ça va, là deux et puis là trois. Non, je suis trop dégoûté là,